Bonjour, bonjour. Vous qui nous regardez depuis sur les antennes de la Maison catholique des médias, mais également sur l'ensemble des plateformes de la communication de l'archidiocèse de Libreville, nous sommes bel et bien ici à Marie Auxiliatrice de Mikolongo pour vivre en direct ces moments d'action des grâces à l'occasion de l'anniversaire de Monseigneur Basile V. Engon, évêque émérite de Libreville, il est là avec nous. À ses côtés, Monseigneur Dominique Bonnet. Cette célébration va être un moment d'allégresse, un moment de joie. 80 ans, ça se fête et nous allons vivre ce moment à côté de notre père évêque, Monseigneur Basile V. Engon, qui lui-même va présider cette célébration. Donc, connectez-vous. Vous voyez, le père évêque est là. C'est un grand jour. On rend grâce à Dieu, il est là avec nous. Nous allons vivre tous ces moments, tout à l'heure, le temps de vous connecter avec notre père évêque, ici, à Mikolongo, pour vivre ces instants. On va vivre cette célébration. Donc, ils sont là. On va, d'un moment à l'autre, commencer cette célébration, donc, qui sera présidée par le père évêque. Voilà, donc ici, du côté de Marie Auxiliatrice de Mikolongo. Donc, quelques images comme ça, du début de cette célébration. Voilà, donc, on est là au compte de la Maison catholique des médias. Nous sommes déjà là pour vous faire vivre en direct ces moments. On rappelle qu'il s'agit de la messe d'action des grâces pour les 80 ans de Monseigneur Basile V. Engon, qui va célébrer cette messe d'action des grâces pour ses 80 ans de naissance, il faut le préciser. Voilà, donc c'est son anniversaire de naissance aujourd'hui, mais également au nom de la rédaction des médias catholiques, nous souhaitons aussi une bonne fête des mères. Voilà, une bonne fête des mères aujourd'hui, dimanche 30 mai 2021. Donc nous vivons ce moment ici à Marie Auxiliatrice de Mikolongo. Dans quelques minutes, la messe va commencer. Donc, le temps pour vous de vous installer et de vivre ce moment avec notre évêque émérite, Monseigneur Basile V. Engon, qui va célébrer lui-même cette messe. Pour ça, marquer l'action des grâces, la reconnaissance au Seigneur qui lui fait grâce de souffler encore une fois une bougie en plus. Voilà. 80 ans, ça se fête. Donc, connectez-vous. Nous sommes ici du côté de Marie Auxiliatrice de Mikolongo, la paroisse Marie Auxiliatrice de Mikolongo, pour revivre ce moment d'action de grâce avec le père évêque, Monseigneur Basile V. Engon. Voilà, donc, chers amis de la Maison catholique des médias, installez-vous. Nous allons vivre ce moment dans quelques instants. Donc, nous attendons la célébration. Nous sommes déjà ici à Marie Auxiliatrice de Mikolongo pour vivre ensemble ces moments d'action de grâce à l'occasion de 80 ans d'anniversaire de Monseigneur Basile V. Engon ici, dans sa communauté, ici à Marie Auxiliatrice de Mikolongo, la communauté salésienne de Don Bosco, où une célébration eucharistique va être présidée par Monseigneur Basile V. lui-même. Donc, pour le compte de la rédaction des médias catholiques, nous vivons ensemble ces moments de joie, ces moments de bonheur, ces moments d'action de grâce, ensemble, avec, en communion avec Monseigneur Basile V. Engon. Vous qui nous regardez au travers des plateformes de la Maison catholique des médias sur Facebook, sur YouTube, soyez les bienvenus, connectez-vous.
connectez-vous, envoyez des messages à l'endroit de notre évêque émérite, envoyez des témoignages également, car ils seront tous pris en compte au cours de nos émissions d'information. Donc, n'hésitez pas, envoyez vos messages à l'endroit du Père évêque Bazimbe Ngon qui célèbre ses 80 ans. Voilà. Son anniversaire aujourd'hui, il le partage avec nous, avec l'ensemble des médias catholiques. Et on va vivre cette célébration ici, avec vous qui nous regardez. Donc, connectez-vous, dans quelques minutes, la célébration va débuter. Mesdames et messieurs, soyez les bienvenus. Ici, à Nicolongo, à Marie, auxiliatrice de Nicolongo, pour ces moments de joie. Donc, nous sommes là pour retransmettre ces moments. Pour vous qui n'avez pas pu effectuer le déplacement, vous avez la possibilité de nous regarder au travers Facebook sur la Maison Catholique des Médias. Notre page, vous y allez, vous likez et vous suivez toute la célébration. Donc, n'hésitez pas. Donc, dans quelques instants, nous allons commencer cette célébration. On se dit à tout de suite.
les défunts de leurs familles respectives et les âmes du purgatoire. Messe demandée par la CVV Saint-Pierre et Paul. Nous prierons pour le repos des âmes de Véronique Tangla, Hélène Sambou, Marie-Annie Fissé-Levelli, Albertine Sambou, Jean Biali, Noël Léonard Olaïmani, Anna Didi, Thierno Dallou. En action de grâce avec une chrétienne qui remercie le Seigneur Jésus et la Vierge Marie pour toutes les grâces qui lui ont été accordées ainsi qu'à sa famille. Une famille rend grâce à Dieu pour tous les bienfaits reçus. Que sa main protectrice continue de la préserver de tout danger. Elle confie par ailleurs l'entreprise familiale et tous leurs projets au Seigneur par l'intercession de Marie Auxiliatrice. En action de grâce avec la chorale Sainte Trinité, qui remercie le Seigneur pour le 5e anniversaire, puisse l'Esprit Saint augmenter la foi des membres et les aider à poursuivre l'œuvre de la création à travers le chant. En intention particulière, avec une famille qui se recommande à Dieu afin que leur amour fraternel soit sans cesse grandissant par l'intercession de la très sainte Vierge Marie. Elle sollicite aussi la réussite aux examens et le passage en classe supérieure de leurs enfants. Tous unis. Aujourd'hui, premier dimanche après la Pentecôte, nous célébrons l'unicité de Dieu, mais aussi le mystère d'un Dieu en trois personnes, Père, Fils et Esprit Saint. C'est au nom de cette très sainte Trinité que nous avons été baptisés et que nous avons appris tout ce que Jésus nous a ordonné. Que la fête de la Sainte Trinité soit pour nous l'occasion de renouveler et de respecter notre engagement baptismal, malgré nos faiblesses et nos limites. Bien-aimé du Seigneur, d'un cœur plein de joie et d'amour, soyons-nous levés pour accueillir les célébrants.
nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La paix soit avec vous. Et avec vos esprits. En ce dimanche, nous célébrons la Sainte Trinité. Dieu en trois personnes, le Père, le Fils et l'Esprit Saint. Ce dimanche aussi, nous célébrons, nous pensons à toutes nos mamans, en ce jour de la fête des mères. Pour demander au Seigneur de leur accorder des grâces abondantes en remerciement de la vie qu'elles ont donnée. Et aussi, on penserait un peu à mes dents, comme disent les autres. Mais 80 ans de vie, amen. Je ne demande pas de prier pour que j'ai encore 80 années, mais que je meure dans la joie et la paix de Dieu quand il le voudra, et que je sois toujours prêt à aller rencontrer la Trinité Sainte, Père, Fils et Esprit Saint. Et donc, nous-mêmes, nous prenons part à cette Eucharistie en priant pour ces intentions, pensons aussi à nous-mêmes, à notre relation avec la Trinité. Que nous menions une vie de communion et d'amour avec le Père, le Fils et l'Esprit Saint. Préparons donc nos cœurs à célébrer cette Eucharistie en reconnaissant que nous sommes pécheurs. Je confesse à Dieu Tout-Puissant. Je reconnais que j'ai péché en pensée, en parole, en action et en position. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je suis venu à l'être humain, les anges et les saints, et vous aussi, mes frères, de prier pour moi, le Seigneur. Que Dieu Tout-Puissant fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen.
Liturgie de la parole. Disposons nos cœurs à l'écoute de la parole de Dieu. Qui est Dieu pour nous? Où se tient-il? Ce passage du Deutéronome au chapitre 4, les versets 32 à 34, puis 39 à 40, nous révèle Dieu comme le très grand et le tout proche. Écoutons. Lecture du livre du Deutéronome. Moïse disait au peuple d'Israël, interroge les temps anciens qui t'ont précédé, depuis le jour où Dieu créa l'homme sur la terre, d'un bout du monde à l'autre, est-il après quelque chose aussi grand? A-t-on jamais connu rien de pareil? Est-il un peuple qui a entendu comme toi la voix de Dieu parlant du milieu de la douleur qui soit resté en vie? Est-il un Dieu qui a entendu de se choisir une nation de venir la prendre au milieu d'une autre à travers des épreuves, des signes, des prodiges et des combats par la force de sa main? La vigueur de son bras et par les exploits terrifiants, comme tu as vu le Seigneur ton Dieu, le faire pouvoir en Égypte. Sache-t-on qu'aujourd'hui, et médite cela dans ton cœur, le Seigneur est Dieu, là-haut dans le ciel, comme ici-bas sur la terre, il n'y en a pas d'autre. Tu garderas tous les jours les commandements et les ordres du Seigneur que je te donne aujourd'hui, afin d'avoir, toi et tes fils, bonheur et longue vie, sur la terre que me donne le Seigneur ton Dieu. Parole du Seigneur.
Le Seigneur a fait les cieux par sa parole, l'univers par le souffle de sa bouche. Il parla et ce qui lui exista, il commanda et ce qui lui survint. Baptisez-les au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Chers frères et sœurs, voyons nous lever pour acclamer et écouter la bonne nouvelle de Jésus-Christ selon Saint Matthieu, au chapitre 28, les versets 16 à 20. Thank you.
Galilée, à la montagne où Jésus leur avait ordonné de se rendre. Quand ils le virent, ils se prosternèrent, mais certains eurent des doutes. Jésus s'approcha d'eux et leur adressa ces paroles. Tout pouvoir m'a été donné au ciel et sur la terre. Allez donc, de toutes les nations, faites des disciples, baptisez-les au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Et apprenez-leur à garder tous les commandements que je vous ai donnés. Et moi, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Acclamons la parole de Dieu. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. Excellence, Seigneur Dominique Bonnet, évêque émérite de Mouila. Confrères dans le sacerdoce, chers frères et sœurs dans le Christ. Cette fête de la Trinité nous remplit d'une grande joie. C'est la fête du Dieu amour. Il nous appelle à partager son amour, à recevoir son amour généreux et à y répondre par un amour reconnaissant. La révélation de la très sainte Trinité est très importante parce qu'elle nous fait comprendre que Dieu n'est pas un monolithe, mais une communion de personnes, le Père, le Fils et l'Esprit Saint. La liturgie d'aujourd'hui nous offre dans l'Évangile l'unique texte du Nouveau Testament qui présente ensemble les trois personnes, le Père, le Fils et l'Esprit Saint. Bien sûr, il y a beaucoup d'autres textes qui parlent séparément de ces trois personnes, mais seule la finale de Matthieu présente la formule que nous utilisons au début de chaque prière, au nom du Père et du Fils.
et de l'Esprit Saint. Cet évangile qui vient de nous être proclamé, nous pourrions dire qu'elle est préparée par le texte du Deutéronome qui exalte la générosité de Dieu. Générosité à se révéler et à communiquer son amour aux hommes. La seconde lecture est un texte de Paul qui parle de notre relation avec le Père grâce à l'Esprit Saint et par le Christ. Jésus ressuscité renvoie ses disciples enseigner toutes les nations et les baptiser au nom du Père, du Fils et de l'Esprit Saint. Nous tous, chrétiens, avons été baptisés au nom de ces trois personnes. Par conséquent, notre baptême nous a insérés dans la vie intime de la Trinité. Grâce à ce baptême, nous faisons partie de la famille divine. Nous sommes en relation avec le Père qui nous génère à une vie nouvelle avec le Fils qui nous a sauvés en mourant sur la croix pour nous et avec l'Esprit Saint qui nous communique la vie divine. Ainsi, la finale de l'Évangile de Matthieu exprime le don de Dieu de façon complète. Le Fils de Dieu s'est fait homme pour nous révéler l'amour du Père et pour nous communiquer l'Esprit Saint. L'incarnation et la rédemption ont été comme le but de nous introduire dans la vie intime de Dieu, qui est une vie d'amour. Il s'agit d'un amour si fort qu'il fait en sorte que le Père, le Fils et l'Esprit Saint sont un seul Dieu, pas trois dieux, mais un seul. Avec ton Fils unique et le Saint-Esprit, tu es un seul Dieu, tu es un seul Seigneur dans la trinité des personnes et l'unité de leur nature, comme le dit la préface de la messe d'aujourd'hui. Nos cœurs doivent être pleins de reconnaissance pour ce don de Dieu. Nous ne pensons sans doute pas assez au privilège que nous avons de participer à la vie de la Trinité, d'être insérés dans son mystère, non seulement par la connaissance intellectuelle, mais par la participation vivante à la vie de la Trinité, qui est beaucoup plus importante pour nous. Savoir que Dieu est unité de trois personnes est déjà une bonne connaissance. C'est important pour nous. Mais vivre en communion avec les personnes divines est une chose plus précieuse encore, parce qu'elle nous donne la vie de Dieu. Dans cette première lecture, Moïse s'adresse au peuple élu en lui faisant apprécier
la générosité divine. Le Seigneur s'est révélé au peuple hébreu, au Sinaï, et la révélation, selon le livre du Deutéronome, a atteint tout le peuple, pas seulement un petit groupe, mais tout le peuple, qui a entendu la voix de Dieu qui parlait au milieu du feu. Moïse fait ressortir cette relation extraordinaire qui s'est établie entre Dieu et le peuple. Et demande, est-il un peuple qui ait entendu comme toi la voix de Dieu parlant du milieu de la flamme et qui soit resté en vie? Le peuple pouvait rester comme écrasé par cette révélation. Et Moïse continue. Est-il un Dieu qui ait entrepris de se choisir une nation, de venir la prendre au milieu d'une autre, à travers des épreuves, des signes, des prodiges, des combats, par la force de sa main et la vigueur de son bras, et par des exploits terrifiants, comme tu as vu le Seigneur le faire pour toi en Égypte. Moïse fait apprécier aux Hébreux l'initiative divine de l'alliance du Sinaï, qui a établi une forte relation entre le petit peuple et le Dieu créateur du ciel et de la terre. Sans aucun doute, voir cette bienveillance de Dieu dans les relations avec un petit peuple fait impression. Mais la révélation chrétienne nous émerveille encore davantage. En effet, cette fois, il s'agit d'une alliance beaucoup plus intime. Jérémie avait annoncé une nouvelle alliance où la loi serait écrite dans les cœurs. Une alliance caractérisée par une relation intime avec Dieu. Et Ézéchiel avait parlé d'un cœur nouveau et d'un esprit nouveau. Cette nouvelle alliance introduit les chrétiens, nous introduit dans la vie intime de Dieu. Dieu a révélé aux hommes un son profond mystère. Avec la raison, les hommes peuvent parvenir à reconnaître l'existence du Créateur, mais ils ne peuvent pas connaître la Trinité. C'est un mystère qui va au-delà de la capacité de la raison humaine. C'est un mystère qui doit être communiqué par Dieu lui-même, avec une initiative, par une initiative d'amour. Il ne s'agit pas seulement de connaître intellectuellement le mystère intime de Dieu. Cette connaissance n'est pas authentique si elle n'est pas en même temps une participation personnelle à ce mystère. Je peux connaître Dieu intellectuellement et ne pas le connaître dans mon cœur, dans ma vie, de tous les jours, de chaque instant. Il n'est pas avec moi, mais il est dans ma tête.
Dans la seconde lecture, saint Paul nous dit que nous avons reçu un esprit qui fait de nous des fils adoptifs et qui nous fait crier « Abba, Père ». L'esprit nous met dans une relation très belle et très profonde avec Dieu. La puissance de Dieu peut susciter dans l'homme un sens de peur ou bien une attitude d'esclave, parce qu'il est vraiment une puissance qui surpasse de manière, de façon infinie, les capacités humaines. Saint Paul, cependant, nous dit, vous n'avez pas reçu un esprit d'esclave. Vous n'avez pas, vous êtes des gens qui ont encore peur. Nous ne sommes plus des gens qui ont peur. Nous ne sommes plus des esclaves. Nous sommes des hommes libres, en Dieu libre. Dieu a la générosité de nous introduire dans sa vie intime, sa vie d'amour, sa vie de famille, sa vie qui comporte une relation filiale avec lui et nous rend frères et sœurs en Jésus-Christ. Notre relation filiale, en effet, est participation à la relation filiale du Fils unique, avec la différence cependant que nous sommes fils adoptifs, tandis que seul le Christ est le Fils de Dieu dans le sens le plus fort du terme. Le Fils unique de Dieu, comme nous le proclamons dans le Credo. Cette relation filiale qui nous unit à Dieu et au Christ est œuvre de l'Esprit Saint. Paul l'affirme. L'Esprit Saint lui-même atteste à notre esprit que nous sommes fils de Dieu. Nous pouvons nous adresser au Père dans la prière avec une confiance filiale. Et nous avons le privilège de nous approcher de lui, non plus avec peur, mais avec confiance, avec amour, grâce à l'Esprit Saint qui nous confirme et atteste que nous sommes fils de Dieu. Paul nous rappelle que cette participation à la vie intime de la Trinité nous a été rendue possible par le mystère de l'incarnation et de la rédemption opérée par Jésus, c'est-à-dire par sa passion et par sa résurrection. Par conséquent, notre participation à la vie de la Sainte Trinité n'est pas authentique si nous n'acceptons pas de participer aux souffrances du Christ pour pouvoir participer aussi après à sa gloire. Souffrir avec le Christ, c'est nous prendre le chemin de vivre la gloire de Dieu. Notre relation avec la Trinité est pour nous source de grande joie, mais aussi de fortes exigences. L'amour authentique, en effet,
implique toutes les capacités humaines et demande l'offrande de nous-mêmes. Dans notre vie, il n'y a pas un passage, un niveau qui n'appartient pas à Dieu. Toute notre vie appartient à Dieu. Et l'aimer, nous l'aimons de tout notre corps, de tout notre esprit et de toute notre vie. Il n'y a pas un coin qui n'appartient pas à Dieu, que je ne peux pas offrir à Dieu. Tout est pour Dieu et tout est en Dieu. Et l'amour divin est comme un feu. Pour cela, il est exigeant. Mais cela ne doit pas nous épouvanter, ni nous faire peur. Nous pouvons, par contre, aller de l'avant avec confiance, parce que la grâce de Dieu nous soutient et nous fait progresser dans la vie de l'amour, qui est participation à la vie même de la très sainte Trinité. En ce fête des mères, eh bien, nous implorons la Trinité d'être avec elles, de leur combler des grâces dont elles ont besoin aujourd'hui pour mieux aimer la Trinité, pour mieux aimer leurs frères, leurs sœurs, surtout pour mieux aimer leurs enfants. La fête de la Sainte Trinité est cette invitation pressante adressée aux chrétiens, c'est-à-dire à chacun, à chacune d'entre nous, pour qu'il marche avec davantage de décision vers leur unité visible, que l'unité de l'Église soit visible. Parce que l'unité des chrétiens, des chrétiennes, est visible. Afin d'être aussi un levain de communion, de paix entre les peuples. Car la Trinité est là pour rassembler les peuples. Et nous, qui sommes aimés par le Père, le Fils et l'Esprit, et nous qui aimons le Père, le Fils et l'Esprit, il nous incite, il nous envoie enseigner cet amour, partager cet amour avec nos frères et nos sœurs, pour que nous soyons un seul peuple, une seule nation, parce que nous avons un seul Dieu. Que les grâces de Dieu abondent sur nous tous et particulièrement sur Paul et Barnabas qui célèbrent ces 80 ans avec moi. Que nous soyons heureux en Dieu et heureux avec vous à cette occasion. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.
Et maintenant, frères et sœurs, proclamons notre foi au Dieu Père, Fils et Saint-Esprit. Je crois en Dieu. Et maintenant, frères et sœurs, élargissons notre prière à la mesure de la charité de l'Église et présentons au Père les intentions de nos frères et sœurs, les hommes, particulièrement les intentions des mamans. Amen.
Te prions, Seigneur, pour toutes les mères, que toi, le Dieu miséricordieux, comble de ton amour les cœurs de tous les enfants, surtout celles qui sont confrontées à la dure épreuve dans leur vie familiale. Seigneur, reçois notre prière. Prions encore le Seigneur. Seigneur Jésus, qui te tiens au milieu des croyants, rassemblés en ton nom, écoute les supplications de ta famille et daigne répondre à ses appels. Toi qui règnes avec le Père et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles, thank you.
Thank you.
C'est pourquoi nous voici rassemblés devant toi et à la communion de toute l'Église en ce jour. En ce jour où nous célébrons la fête de la Sainte Trinité. Nous, parmi que tu as élevé à ta gloire, Dieu Tout-Puissant, nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons, sanctifiées par ton esprit, pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils, Jésus-Christ, notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain, en te rendant grâce, il le bénit, il le rompit et le donna à ses disciples en disant: prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. Il est grand le mystère de la foi. Gloire à toi, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta la bienheureuse Mère de Dieu.
Et maintenant, Seigneur, nous te supplions, par le sacrifice et nous réconcilie avec toi, et dans le monde entier de saluer et de la paix, affermis la foi et la charité de ton Église au long de son chemin sur la terre. Veille de ton serviteur, le pape François, notre archevêque Jean-Baptiste, l'ensemble des évêques, des prêtres, des diacres et tout le peuple de la charité. Écoute les prières de ta famille assemblée devant toi, et ramène à toi avec tes aimants tous tes enfants dispersés. Au nom d'un peuple, pour les enfants de ce monde, de l'homme nouvelle à toi, Dieu, nous te prions, spécialement sur le monde décidé dans cette situation, et du Dieu du Coran, et sa faveur au monde et dans notre pays, les appelés de l'Esprit du Dieu à toi. Reçois les temps, ton royaume, nous nous espérons d'être convaincus à toi, tous ensemble, pour l'éternité, par Christ notre Seigneur, par qui tu donnes le monde de toute grâce et pour bien. Thank you.
ne regarde pas le péché, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse dans la vie toujours cette paix et conduire la vie de la fête, toi qui règnes pour des siècles, que la paix. Thank you.
Thank you.
Patron
personnes qui ont, n'est-ce pas, offert leur vie à Dieu et aux hommes. 80 pour les plus vigoureux, nous disons le sombre. Nous célébrons aujourd'hui l'anniversaire, les anniversaires, même s'il y a un qui a été célébré, de Père Paul et Paul, hein, et de Monseigneur Basile Dembélé. On va applaudir pour eux, comme on va vigoureux, on a 2, 3 et chant.
Et aujourd'hui, célèbre aussi la Sainte Patron, hein, c'est la chorale Sainte-Trinité. Nous allons maintenant recevoir la bénédiction de la Sainte-Trinité. La paix soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu tout-puissant et plein d'amour vous bénisse et fasse habiter en vous la sagesse.
s'achève cette messe du côté de Marie Auxiliatrice de Mikolongo, une messe à l'occasion de la fête de la Sainte Trinité qui a été marquée également par l'action de grâce de Monseigneur Basile V. Ingram qui soufflait une bougie en plus ses 80 ans, une messe couronnée d'émotions, mais également une messe qui a été remplie par le Saint-Esprit. C'est une occasion qui a été renouvelée pour rendre grâce à Dieu ici à Marie Auxiliatrice de Mikolongo. Certainement, nous allons tendre le micro à l'endroit des pères qui sont venus nombreux pour communier avec Monseigneur Basile V. Ingram, qui est évêque émérite de Libreville. Alors, nous sommes en direct de la Maison catholique des médias. On va essayer également de prendre quelques réactions de la part des prêtres pour, en guise de témoignage par Monseigneur Basile. Alors, on va essayer de voir si on peut avoir quelques petits mots, quelques petits témoignages à l'endroit du père évêque. Donc, vous voyez, Monseigneur Basile est là, il vient de présider cette célébration. On rend grâce à Dieu pour ses 80 ans. 80 ans, Monseigneur, il est toujours là avec nous. C'est une bénédiction. Et la Maison catholique des médias est heureuse d'être là en ce moment, de vivre ce moment, ici à Marie Auxiliatrice de Mikolongo, pour cette messe en l'honneur de la Sainte Trinité qui a été célébrée par le père évêque émérite de Libreville, Monseigneur Basile V. Ingram. On lui souhaite encore joyeux anniversaire, Monseigneur. Puisse Dieu vous garder encore longtemps. Voilà, ainsi s'achève cette célébration ici à Mikolongo, où nous avons vécu ce moment avec Monseigneur Basile V. Ingram, qui vient de célébrer cette messe d'action de grâce qui a été marquée également par la solennité de la Sainte Trinité ici à Marie Auxiliatrice de Mikolongo. Et on se dit à très bientôt, à très bientôt. Merci à vous qui nous avez suivis au travers les plateformes de la Maison catholique des médias. Et bon dimanche, encore une fois, bonne fête de mère à toutes nos mamans. Que Dieu vous accompagne dans ce magistère qui est le vôtre. On va se séparer avec ces images.